Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de deux sujets qui me tiennent à cœur. Donc il va y avoir l'écologie et le tissu. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez sur nos chaînes de couture, sachant que c'est très actuel et que on utilise principalement du tissu pour faire nos projets. Donc je trouve que c'est dommage de pas s'étaler un petit peu sur ce sujet là. Je vais faire cette vidéo en trois parties. Donc je vais en premier parler de comment sont fabriqués les tissus, en deuxième l'impact qu'a le fast fashion, et en troisième comment mieux consommer avec quelques petits conseils. Voilà. Donc on commence de suite avec comment sont fabriqués les tissus. Déjà il faut savoir qu'il y a trois sortes de textiles qui existent. Vous avez le textile inorganique, celui-ci en général c'est fabriqué avec du verre ou de l'amiante ou du balsate. C'est pas un textile qu'on utilise nous vraiment dans nos petites coutures de vêtements, mais c'est un tissu qui existe. Ensuite on a aussi les textiles artificiels et synthétiques. Celui-ci vous savez qu'il pollue puisqu'il est fabriqué à base de pétrole. Et le textile naturel qui est divisé en deux parties. Vous avez le textile d'origine végétale et le textile d'origine animale. Et donc pour ces textiles-là, on utilise pas mal d'eau, pas mal de pesticides. Et puis il y a la maltraitance des animaux, malheureusement, qui entre aussi en jeu, même si par rapport à l'écologie, ça fait pas grand-chose. Mais ah ben si, ça fait quelque chose en plus, je dis ça, mais si. Si, si, puisque du coup, il y a une surproduction d'animaux, principalement pour la viande, mais du coup, on l'utilise aussi pour notre textile. Donc au final, ça pollue aussi. Donc là du coup, une fois qu'on a notre matière première, on va commencer nos petites étapes. Déjà il y a des textiles qui ont besoin d'être lavés, comme la laine par exemple. Donc il va y avoir un lavage de la matière première. Là on va utiliser énormément d'eau. Ensuite on va commencer à transformer cette matière première en fil. Cette étape s'appelle la filature. Puis va venir une autre étape qui va être le tissage ou le tricotage, qui va du coup former votre tissu. Et ensuite une étape qui je pense fait partie des plus polluantes, c'est l'ennoblissement, ça s'appelle comme ça. C'est là où on va faire le blanchiment, la teinture, les impressions sur les textiles. Et il y a aussi les apprêts mécaniques, les apprêts chimiques, vous savez ce qu'on met ensuite sur le tissu pour qu'il se tienne ou pour que la teinture tienne dessus, enfin voilà. Donc ça c'est bourré de produits chimiques et donc c'est très polluant, et en plus cette pollution du coup va dans les eaux après, qui polluent du coup les rivières et les lacs. En Chine j'ai vu 70% des lacs et des rivières pollués par l'industrie du textile quand même, hein. C'est énorme. Et donc là voilà, vous avez un produit qui est du coup fini, mais de là on va ensuite devoir transporter ce textile dans les pays où il doit être livré. Donc le transport pareil pollue énormément, en plus, enfin là je parle en plus d'un produit qui a été fabriqué à un endroit et qui a été directement transporté dans un pays, mais il arrive très souvent que votre textile en fait il n'a pas été enfin votre tissu n'a pas été fabriqué au même endroit. En fait vous avez la fibre elle a été prise à un endroit, elle a été transformée à un autre endroit, elle a été teinte à un autre endroit, vous voyez, ça peut faire plusieurs pays l'un après l'autre, et du coup bah, plusieurs transports qui du coup vont encore plus polluer. Et puis du coup une fois que ce produit est arrivé chez vous, et bien vous allez continuer de polluer les eaux du coup avec le lavage du textile. Ça va laisser des petits copeaux dans l'eau, et les produits qu'on va y mettre chimiques comme la lessive ou l'adoucissant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en description. Moi j'ai vraiment survolé le sujet, mais je sais qu'il y a des vidéos qui sont très bien faites et qui expliquent bien mieux que moi l'impact écologique que ça a. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de l'impact du fast fashion. Donc qu'est-ce que le fast fashion? Si je devais vous résumer ça en un mot, ben, c'est la mode en fait, tout simplement. J'ai remarqué que, enfin en tout cas je crois que c'était comme ça avant.
Il y avait avant une collection par saison, il me semble. Et là, avec les années, eh bien, en fait, on se retrouve à avoir une collection par semaine. Et c'est énorme, en fait. C'est énorme. Et en fait, comment on en est arrivé là? Eh bien, je pense que c'est tout simplement les réseaux sociaux qui ont fait ça. En fait, par une photo, une simple photo ou une simple vidéo, vous allez avoir envie d'avoir cette pièce, alors que vous n'en aviez pas besoin il y a 5 minutes, mais en fait, tellement bien portée, tellement bien présentée, ça va vous donner envie. Et en fait, on va se retrouver dans ce cercle vicieux de l'addiction, de la surconsommation, et en plus du mal-être, puisque au final, sur le moment, on a l'impression que c'est ça qui va faire que ça va faire la différence sur tout notre dressing, alors qu'en fait pas du tout. En fait, sur le moment, vous allez être contente, et puis 5 minutes après, voilà, vous avez le vêtement et il va rien se passer de plus, quoi. Vous allez avoir cette envie en regardant une autre vidéo 5 minutes après. en tout cas, ce fast fashion, il est très mauvais, puisque du coup il nous fait surconsommer pour rien. Et donc, il y aura une surproduction de textiles dont on n'aura pas besoin, en fait. Et on le voit très bien dans nos dressings. On a des vêtements, des fois, qu'on ne met même pas. Mais voilà, l'armoire est remplie. Et c'est pas pour autant qu'on a cette impression d'avoir beaucoup de vêtements. En fait, on veut toujours plus. Toujours plus. Pour avoir la dernière pièce à la mode, alors que ça sert à rien, en fait. Franchement, ça sert à rien la mode pour ça. Faut mieux avoir son propre style et puis rester dessus. Là, je suis en train de dériver sur la mode de vêtements déjà fait, mais dans notre domaine de couturière, c'est pareil, en fait. On a cette addiction aussi avec le textile. J'ai remarqué ça en regardant des vidéos, et moi d'ailleurs j'en fais aussi. D'ailleurs, c'est vraiment pas une vidéo pour faire la critique ou m'en prendre à quelqu'un en particulier, hein, vous inquiétez pas, puisque je le fais aussi. En fait, vous avez les vidéos haul ou unboxing, où on va présenter des tissus, et ça va avoir le même impact qu'une personne qui va vous montrer une tenue, des vêtements qu'elle porte. En fait, on voit ce tissu et oh là là, il nous le faut absolument, alors qu'en fait, 5 minutes avant, pareil, on n'en avait pas besoin. Voilà, en regardant des vidéos comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui achetaient des tissus parce qu'ils ne coûtaient pas trop cher, parce qu'il était beau, mais sans avoir vraiment de projet en tête, voyez. Et ça, je pense que c'est un problème, parce que en fait, vous vous retrouvez à avoir des armoires, des petites commodes remplies de textiles, de tissus, sans les utiliser, et des fois même vous le ressortez un peu de temps après, et puis finalement c'est plus à la mode, et puis du coup ça vous plaît plus, et puis ça restera dans le placard. Et vous avez vu tout le procédé qu'il y a eu juste avant, qui a beaucoup pollué, tout ça pour que ça reste dans le placard. C'est dommage, quoi. Alors, comment mieux consommer? Je dis mieux consommer, puisque sinon, si on devait très bien consommer, il faudrait rien acheter, hein, tout simplement. je vais faire le point sur un petit truc. Le mieux, ce serait de privilégier les écolabels, d'acheter du bio, du made in France, enfin ça vous le savez, mais je vois déjà vos yeux. Oui, c'est facile à dire, mais on n'a pas tous la même bourse, et je suis bien d'accord. Moi c'est pareil, en fait, jusqu'à maintenant j'ai toujours été au SMIC, actuellement je suis même au chômage, donc je touche pas grand chose, et du coup je peux pas trop me permettre d'acheter des tissus à 30 euros le mètre, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre ce genre d'achat. Ou sinon, en fait, il faut acheter des tissus comme ça, mais du coup vous en achetez moins en quantité, vous faites des plus petits projets, ou vous faites moins de projets, tout simplement. Mais voilà, je sais que ça peut pas correspondre à tout le monde. Un petit conseil, achetez du tissu seulement quand vous avez un projet en tête, en fait, tout simplement. Vous voulez, par exemple, il vous manque un manteau, plutôt que d'acheter encore un coton
que vous avez vu avec un imprimé magnifique et vous allez dire bon, qu'est-ce que je vais faire avec? Achetez vraiment ce dont vous avez besoin. Donc par exemple ce manteau, vous savez qu'il vous faut un manteau, donc il va falloir trouver un patron. Vous faites ça par étapes en fait. Vous avez votre projet, ensuite vous cherchez le patron qui correspond à votre projet, et ensuite eh bien vous allez enfin pouvoir trouver, enfin chercher votre textile. D'ailleurs ça me rappelle quelque chose, j'ai vu dans une vidéo de Raphaël DVN, et j'adore ses vidéos d'ailleurs, en fait ce qu'elle fait c'est que elle a son projet, elle a son patron, elle coupe déjà son patron dans la taille qui correspond à ce qu'elle a besoin, et en fait elle étale directement sur du tissu qu'elle a déjà, ou elle mesure par rapport à une glaise genre 150 par exemple, et elle met directement ses patrons de sorte à savoir combien elle aura besoin exactement de tissu, parce que comme elle disait, et ça j'ai remarqué aussi, en fait souvent on vous dit qu'il vous faut par exemple 1m60 de tissu, et en fait vous pouvez utiliser moins que ça, des fois vous gagnez 10 cm, enfin en fait du coup vous allez économiser de l'argent comme elle dit, et en plus et du coup vous aurez moins de chute de tissu. Donc ça c'est une très bonne technique je trouve, d'ailleurs il faudrait que je le mette en place moi aussi parce que je le fais pas, aïe aïe aïe, mais voilà c'est un conseil aussi. Ensuite j'ai une petite idée, alors je sais pas si c'est vraiment faisable à la longue hein, parce que je sais que ça demande plus de travail du coup, mais pourquoi pas acheter plus de la seconde main. Vous voyez, vous avez enfin, vous achetez un vêtement qui a déjà été fait, qui a déjà été porté. Donc ça s'achète Vidressing, Friperie, Vinted, des choses d'un genre. Vous pouvez acheter du coup des vêtements déjà faits, du coup qui pollueront pas une nouvelle. Enfin, ce ne sera pas un nouveau textile qui va de nouveau polluer, mais un textile qui a déjà été en circulation. Et en fait, si vous le surtaillez par exemple, si vous prenez quelque chose, vous faites un 34 par exemple et que vous prenez du 38, vous aurez plus de tissu et vous pourrez avec ce tissu refaire un autre vêtement, ou transformer tout simplement le vêtement, je sais pas, vous avez vu une robe qui vous plaît, mais voilà, il y a certains éléments qui vous plaisent pas, vous pouvez les refaire avec même un autre vêtement, ou vous voyez, il y a moyen peut-être de faire quelque chose comme ça. D'ailleurs je pense que je vais commencer à faire des vidéos un peu dans ce genre aussi de transformation, je trouve ça très, très intéressant et du coup plus écologique, donc voilà, c'est une idée. Après c'est sûr que ça demande plus de travail parce qu'il faut défaire le vêtement et puis il faut refaire, mais des fois il suffit même d'un petit détail sur un vêtement qui change tout, le boutonnage devant qui est différent, qui va tout faire. Enfin voilà, après si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire, parce que pour l'instant j'ai trouvé ça, mais je pense qu'il y a d'autres solutions hein, évidemment. Mais voilà, donc ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je suis désolée si ça a été un gros fouillis, j'ai fait une liste de choses à dire, mais déjà, enfin, des fois j'y pensais, j'avais des idées, je ne les notais pas, je suis sûre que j'ai oublié certaines choses. Mais voilà, pour moi c'était important de faire cette vidéo. Et j'espère que du coup elle vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, restez courtois surtout. Et voilà. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Je sais pas ce qui m'arrive, mais en fait cette vidéo, je sais pas, ça, à la fin en fait ça m'a beaucoup ému de la faire. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est bizarre. C'est quelque chose de tellement important en fait, pour moi en tout cas. Voilà, j'ai plus de mots. Je suis contente d'avoir réussi à la finir avant de pleurer. Mais voilà. C'est bête.